Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très spéciale. Vous allez me dire ce que vous en pensez parce qu'il y a moyen que ça devienne une série sur ma chaîne. Enfin, c'est le but. Mais que si vous aimez, aujourd'hui, je vais devenir l'assistante de Maya Adorable. Je sais pas si vous la connaissez, c'est un sacré personnage. J'ai très peur, je sais qu'elle a fait un programme pour la journée. Ça va être catastrophique. Le but de cette vidéo, c'est que ce soit cool, marrant, mais aussi de découvrir un peu son quotidien et ce qui se passe, quoi. J'ai juste une heure et une adresse. D'ailleurs, je suis déjà en retard. J'ai regardé hier soir, apparemment, c'est à côté d'un Starbucks. Donc, je m'étais dit, je vais essayer de trouver sa boisson Starbucks, lui prendre. De venir un petit peu plus tôt, comme ça je serai prête avec sa boisson. Je n'ai pas encore trouvé sa boisson et je suis en retard. Voilà comment ma journée, j'espère que je vais quand même faire de bonnes impressions. Pour information, je vous fais gagner un sac Yves Saint Laurent sur Instagram, donc n'hésitez pas à les voir. On va l'appeler parce que je suis quand même son assistante, donc faut être sûr qu'elle soit réveillée, parce que bon, c'est un peu une star. M'a raccroché au nez. Hello. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cette tête? Bravo! Est-ce que t'es prête pour ta journée? Waouh, t'es magnifique! Merci beaucoup, ça me fait plaisir. T'es incroyable. Trop belle, regardez. Merci, je commence bien la journée. Est-ce que tu vas être à l'heure? On a rendez-vous dans une heure. Ouais. Faut que tu te prépares. Ouais, ça y est. On a du travail. Allez, bisous. Tu lui lèches un peu les bottes, hein, pour que ça se passe bien pour mon premier jour. On y va, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je suis en retard. Ok, je vous explique la situation, je suis à Opéra, c'est catastrophique, j'avais rendez-vous à 9h30, il est 9h50, j'étais bloquée dans les bouchons, catastrophique, regardez, j'ai mis des lunettes d'assistante, je prie pour qu'elle soit en retard et qu'elle soit pas devant le Starbucks, sinon je vais me faire défoncer, mon premier jour, je suis fidèle à moi-même, toujours en retard. Désolée de mon retard. 9h50. Désolée. Mon premier jour, 9h50. J'avoue, j'ai abusé, pour me faire pardonner, je peux te prendre un petit Starbucks. Tu vas voir que je suis une très très bonne assistante. Quoi? Je sais ce que tu veux, pas besoin de me dire. Ok, on va voir ça. J'arrive tout de suite, je ne veux pas m'assenter plus longtemps. Je me casse. Oh oh, j'en ai une partout. Mais je suis trop une mauvaise assistante. Il y en a un peu partout. Je suis pardonnée quand même. Est-ce que c'est bon, tu vas me dire? Non, je vais goûter. Manque un peu de sucre. Oh! Mais pas mal. On a des trucs à faire aujourd'hui. Assistant. Bah déjà, bonjour tout le monde. Mais j'avoue. Bonjour. Je vous présente Maya. Moi. Moi, c'est votre premier jour avec moi. En vrai, je pense qu'on a le même métier, on a le même taf, donc je vais rien t'apprendre. Ouais. Mais je pense pas qu'on travaille pareil. Je suis grave d'accord. Je pense que t'es beaucoup plus organisée que moi. C'est et possible. Je pense que t'organises pas ton temps pareil que moi. Tu vois ce que ouais. je veux dire? Genre toi déjà tu te lèves très tôt. Moi je peux prendre un peu plus de temps mais du coup je travaille plus tard. Genre des fois ouais, je peux okay. travailler jusqu'à 3h du matin. Tu vois okay, ce que je veux d'accord. dire? Je pense que je suis une night person. Je vois. C'est juste que je me lève pas en fait. Donc aujourd'hui on va faire pas mal de trucs. On a... Oh! Est-ce que je dois rigoler à toutes tes blagues pour que tu m'aimes bien? Ouais. En vrai j'ai jamais eu d'assistante. C'est vrai? Jamais eu d'assistante. Moi je fais genre des vidéos et tout depuis que j'ai 13 ans. Et donc dès que j'ai commencé, j'ai signé en agence. Et c'est encore l'agence dans laquelle je suis aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai jamais eu d'assistante. Okay. Donc peut-être que je vais kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Prends pas trop l'habitude quand même. Peut-être que je vais recruter. J'ai l'air très première de la classe comme ça quand je ouais. me vois dans la dans le tour. C'est vrai? Bah ouais. T'as parlé un peu avec mon agent? J'ai mené mes petites enquêtes, un petit peu, mais ça te regarde pas. Elle t'a envoyé le planning du jour? Non. Parce que tu m'as pas envoyé mon planning du jour. Tous les matins, elle m'envoie mon planning. Je vais m'en occuper tout de suite. Parce que là, comme il est 10h et que j'ai pas mon planning, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, ça se voit que t'avais pas prévu. Si. Ah ouais? Si, si. Bah c'est bien. En fait, j'avais prévu dans ton planning un petit temps de. Un petit temps pour good morning. Voilà. Tu vois? Un petit temps de regarde, on regarde les gens. Là, on passer, est. Voilà, exactement. C'est hyper important pour commencer ta journée que tu puisses avoir ce moment pour toi. Bah là, normalement, c'est le moment où tu m'énumères mon petit planning. Ouais, ouais, je vais te le dire tout de suite. Je suis en train de l'énumérer dans ma tête d'abord. Ok. Ça arrive. T'as pas préparé hier soir? Si, si. C'est belle aujourd'hui en tout cas. Merci. Ça te va super bien les lunettes roses. Merci. Voilà, voilà. Non, en vrai, je crois qu'on a pas le temps de traîner en terrasse, donc on va aller au bureau. Prends ça. Elle se souvenait. Elle s'est rue dans le diable de sa vie en Prada. Le scooter, c'est primordial pour arriver à l'heure. D'accord. Tu devrais t'en acheter un. Ok. Ah oui, et vu que je suis anglaise, j'aimerais bien que tu parles un peu anglais. Ok. Pourquoi tu serres autant? Parce que j'ai peur pour ma vie. T'as ta carte vitale? Oui. Bon bah alors c'est bon. Salut. On va à l'agence, on va commencer la journée. On a un peu traîné ce matin, donc ça il faut pas attendre à la bête. Allô? Ouais. Si c'est pas 1 million d'euros, je le fais pas. C'est bon, allez, salut. Elle est en retard. Elle se mauve. En retard.
Là, on arrive à mon agence et Andy a réservé une petite salle pour notre rendez-vous. Donc s'il y a des gens dans la salle, faut que tu leur dises cassez-vous, out. La dame de l'accueil, elle est très sympa. Elle va pas. Bonjour. C'est Andy, mon assistante. Donc lui demandez pas de préjugés aujourd'hui. Au boulot. C'est grave beau. Tu trouves pas que ça ressemble un peu à Ibiza? Ça me donne même pas envie de travailler. Ça me donne envie de rien foutre de ma journée. Au boulot. Alors, Andy, avant de commencer à faire ce qu'on doit faire, j'aimerais que tu m'aides parce que ce que j'ai aimé sur ton CV, c'était ton organisation. Tu vas m'organiser un Notion. J'adore. Ah, c'est vrai? J'adore. Je pourrais faire ça toute la journée. Ah, je suis trop contente. Parce que moi, comment je m'organise, c'est que genre j'ai un agenda papier, j'aime bien. Donc, ah ouais? Par exemple, ouais, un peu vintage. Donc là, par exemple, influenceuse, c'est un agenda papier. Ouais. Mon agent, normalement, elle a un espèce d'agenda. Je vais te le montrer. En vrai, c'est un peu une angoisse parce qu'il y a pas assez de place. Donc ça, c'est mon agenda. Ouais. De tous les jours. Ok. Sauf que tu vois, par exemple, là, il y a plus de place. Ah, ça s'agrandit pas? Non. T'es un peu limité, donc t'es obligé de mettre que les trucs vraiment importants. Nul. C'est que là, je crois que tu vas me réorganiser ma carrière en ta fait. Carrière, il y a du taf hein. Par exemple, aujourd'hui nous avons une preview Garnier. Donc okay. Tu vas mettre Garnier. Là c'est un truc automatique, donc on va le modifier. Par exemple preview, on va le mettre en bleu. Et c'est une preview Insta? Ouais. Instagram, voilà. Oh là là, excellent. Et comment t'as appris à faire ça? Seule. Il va falloir que tu l'appelles, mais il va falloir qu'on passe chez Dress Code. Parce qu'après j'aimerais faire une photo mais j'ai pas de tenue. Ok. Ok, donc ensuite il faut qu'on passe dans une Ingar. Pour? On passe dans une gare. Studio, et c'est un shoot pour quoi? Okay. Pour la tenue que... Studio pour faire du contenu. Voilà, exactement. Studio contenu. Ensuite, il faut récupérer mes colis à l'autre agence. Colis Herborian. Herborian, on a un rendez-vous avec Herborian. Minia, il faut que je fasse ma miniature. Voilà. Ok, parfait. Bah, j'adore cet orga. Il faut payer mes PV. Donne-moi ta carte. Pas abusé non plus. Ouais. Appelle la mairie, tu dis, bah écoutez, elle peut vous faire des stories contre pas payer le stationnement en soi. T'imagines la folle. Ok. Ok, je vais programmer le call avec Herborian. Appelle Mehdi. Pour demander à quelle heure ils sont dispo pour faire un call. Ok, tu crois que je t'ai pas vu, copine avec Mehdi? Tu vas me trouver un peu de... de contrat là. J'ai envoyé un message pour programmer le call, on va voir. Qu'est-ce que tu souhaiterais de la part d'Herborian? Je vais essayer de te négocier un maximum. J'aurais besoin d'acheter un hôtel. Ok. Donc j'ai besoin que tu me négocies un max. Maximum de budget, genre peut-être un contrat sur peut-être 5 ans. Ok. Un gros truc genre affiche. Dans le métro. Ambassadrice genre full. Ok. Genre faut que je sois la seule créatrice de contenu sur Herborian. Donc toi tu vires. Ok. Non je rigole. En vrai, genre pourquoi pas un truc toutes les deux? Un shoot, moi j'aime bien les shoots. Un shoot avec des petites bébés crèmes. Je vais lui en parler. Je vais lui présenter le projet, on va voir ce qu'il dit. On a fait un bon petit rendez-vous là de 2-3 heures. Et là, pause clap. Tu veux une clap? Petite pause club. Qu'est-ce qu'elle me fait faire? Donc on va manger un petit truc sur le pouce parce qu'on va pas non plus se poser pendant 4 heures parce qu'on a du on pain a beaucoup sur la planche. De travail. T'as oublié d'appeler la meuf de Dress Code. Oh, on appelle. Je donne son numéro. On l'appelle là. Allô. Oui, bonjour Estelle, c'est Andy, l'assistante de Maya. Enchantée. Alors, je t'appelais pour savoir si on peut passer récupérer des tenues pour Maya. On a un petit shooting cet après-midi et potentiellement elle part à Miami dans 3 jours. Donc, si on peut piquer des petites tenues. Ouais, c'est possible dans 1 heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On attend à manger, après on y va. On a plein de petits rendez-vous. En vrai, c'est une bonne journée. Ouais, c'est très bien. Est-ce que tes journées sont tout le temps comme ça? Non. En fait, je fais pas souvent de bureautique. C'est-à-dire que moi, je reste. Enfin, je suis jamais au bureau comme ça. Enfin, je passe jamais une journée trop derrière l'ordi. Mais moi, en vrai, mes journées préférées, c'est les shootings. Genre, tu vois, les grands tournages, les trucs, genre avec des prods et tout, c'est mes journées préférées. Ok. Et création de contenu, genre par exemple, là, on filme une vidéo, donc trop bien. Mais ouais, moi, je fais jamais trop de bureautique en vrai. Donc, ça se ressemble jamais. Petit crousty bat. J'avoue que ça. Qui veut te battre? Andy a pris un peu la confiance. Et genre, elle est en mode, on fait une journée dans sa peau. Donc et là, ouais. Je bouffe quoi? C'est coréen? Non, c'est japonais. C'est très bon, mais après ça, tu te relèves jamais, je pense. Non, tu te relèves pas. Ça pique un peu. Petite pause déj, et après, on fait rendez-vous, call. Coucou les passas! J'espère que vous allez bien. Mais ça va pas. C'est que des fois, il fait des passes comme ça, les gens ils pensent qu'on se connaît pas, et du coup, ils sont en mode. Ouais. Donc, showroom, et après, shooting. Comme ça, on a un petit contenu sympa. Parce que des fois, on oublie de faire des photos pour Insta. On arrive dans les bureaux originaux, genre les bureaux de base. En fait, c'est là où j'ai mon casier. Où toutes les marques, elles m'envoient des trucs pour pas que ce soit la Java chez moi. Genre, je trie avant de ramener chez moi. Ok. Donc après, on va aller voir Samir, on va dire Samir. Tu peux l'envoyer chez moi. C'est le coursier? C'est le coursier. Ok. Genre comme ça, on se fait pas voler les trucs. Ok. Il est trop gentil. Là, c'est du prêt pour faire des contenus quand je serai en vacances. On a reçu des trucs fancy. Ça, c'est les meufs qui ont des petits pieds qui mettent des trucs comme ça. Ah ouais? Imagine sur mes grands panards. Fendi, c'est bon, on a reçu. Et là, il faut vérifier si on a reçu Maj. Ok. Et c'est tout, je crois.
crois. C'est moi, vérifier. Tu vois, ça, c'est moi. Tiens, la chicorie. Ça, c'est pour moi, il y a un petit. Ah ouais, ouais. Trop bien. Ah bah, ça, ça doit être mage. C'est mage. Ouais. Ça, c'est pour une collade. Ça, c'est pour du contenu à Miami. Tu vois, est-ce que c'est avec Hailey Bieber? Ouais. Ah, j'aime bien. Est-ce que je ressemble à Hailey Bieber? Ouais, magnifique. Et là, t'as un sac avec du parfum. Je vais faire ta sélection, je vais te dire si ça te correspond ou pas. Ok. En vrai, ça sent bon. Tu vois. Peut-être que tu peux aimer. C'est pas trop tes goûts. Je sais pas, j'aime bien, je crois. J'aime. Je le mets dans la sélection. Oui. T'as une collab encore avec Make Up For Ever? J'ai déjà filmé. Ok, et là, Maybelline. Donc là, il faut tout rassembler dans un sac pour pas que ce soit trop gros. Ça, je garde. Ça, c'est à donner. Ça, c'est à jeter. Ça, c'est à jeter. Ok, tiens, je te donne le numéro de Samir. Attends. Hello Samir, on est passé chez Polo pour faire le tri dans les colis. Du coup, on t'a préparé des petits trucs à amener pour chez elle. Tu nous diras si jamais il faut qu'on les mette à un endroit particulier. Voilà. Tiens, au courant. Merci beaucoup. Bonne journée. Faut qu'on mette tous les colis en bas. Donc okay. Je te regarde. Vas-y, regarde-moi. Vas-y. Voilà. Là, j'ai bien travaillé. Et je peux rentrer chez moi? Non. Donc là, on est en mode commercial. Donc okay. Là, tu vas appeler un client. Pas de contrat Maya. Bon, c'est bah, foutu. On va revendre les bureaux et je rentre chez moi. Hein. J'enlève ma veste, je la mets sur Vinted. Bon, on attend qu'il réponde. On attend qu'il réponde. Bonjour Mehdi. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Je t'appelle parce que nous, on avait discuté quelque chose avec Maya. C'était potentiellement de faire un shooting photo. Maya, elle adore Instagram. Elle adore les shooting photos, vraiment les posts qualitatifs. Je sais pas ce qui est possible de faire. Tu vas me dire si t'as aussi des idées. Mais je pense qu'un shooting photo pour skin therapy, à voir ce qu'on peut mettre en place. Je sais qu'elle a testé l'huile et qu'elle l'adore. Donc ça peut se faire. J'avais aussi une autre idée qu'on a eue avec Maya. Donc l'idée, ce serait de faire un shooting ensemble. C'est vrai que ça arrive pas souvent que l'influenceuse prenne son assistante dans le même shooting, mais on a eu cette idée qui pourrait être pas mal. Ouais, je pense qu'on sera plutôt sur la rentrée, donc pour le coup ça nous laisse le temps de d'imaginer sur une thématique un peu back to school. Okay. Après les vacances. Génial, après on discutera du budget et compagnie. Pareil. À très vite. Merci. Merci. Ciao, ciao. Pas mal. Pas mal. Bravo. Je pense qu'il a kiffé. Je pense qu'il a kiffé. Ça peut être une idée. C'est bien septembre, ça nous laisse le temps de, tu vois. Ouais. C'est commercial. Je sais, je suis très forte pour négocier. Bon, on est déjà en retard pour le prochain rendez-vous. On est à Gare du Nord parce que j'ai fait une campagne où j'ai fait la DA. Ouais. Et en gros, il y avait des abonnés à moi avec moi sur le tournage. Ok, trop bien. Et donc là, c'est sorti aujourd'hui et c'est genre dans les affiches. Vous voyez les affiches dynamiques là, les vidéos. Ok, ouais. Dans la gare, donc on va aller voir si on en trouve. Bon, Maya, je comprends pas. T'es où là? Où est-ce que t'es? Non, mais je crois qu'il y a pas. T'as voulu t'inventer une vie en fait, ça existe pas. T'as voulu faire genre. On est dans un bureau de presse. Ça, c'est le genre de truc typique de dernière minute en mode. Je pars en voyage. On part en voyage. J'ai un shooting, j'ai un truc de ouf. Je farfouille, je vais essayer de trouver des trucs que t'aimes bien. Donc là, il te faut une tenue, genre une tenue pour le shoot. Ouais. Donc c'est sur un fond blanc, donc essaye de pas te prendre du blanc. Et essaye de voir si tu trouves pas des petites pièces que je peux emprunter pour emmener en vacances à Miami. Ouais. Des trucs très colorés, très sympas. Ok. Donc voilà. Imagine, t'es l'assistante de Dua Lipa. Ok. Et il lui faut des tenues. Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa. Ça m'aide. Ok, Dua Lipa, est-ce que Dua Lipa met? Est-ce que Dua Lipa ne met pas? Bon, je pense pas. Non, là, c'est pas très bien, Dua Lipa. Je suis nulle, Reda, s'il te plaît. On a besoin d'aide, je suis trop nulle pour ça. Du coup, une tenue pour le shoot... Je suis trop nulle pour le shooting. Si elle déteste ça et ça... Je suis nulle. Et pour Miami, j'ai juste ça pour l'instant. Est-ce que je ne ferai pas des Santiago pour me venger de ma journée? En fait, ça me fait perdre confiance en moi cette journée. J'ai l'impression d'être nulle. Bon, venez, je vais déjà lui montrer ma première sélection. Pour Miami, j'ai pris un petit ensemble sympathique. Très beau. J'aime bien. Là. Ouais, j'avais avec repéré. Le short. Très beau. Ensuite, nous avons pour le shooting une petite jupe rose. Ouais, je rentre pas dedans, jamais. Là, on parle pas de taille, je peux pas tout faire, Maya. Je te parle de style. Mais tu sais que je shoot studio, genre je vais potentiellement être assise par terre, là on va avoir ma lunette. Là, on va avoir un téton et ma lunette ici. Tu veux changer de mode à ma dernière? Je ferai plus de likes sur Instagram. Tu fais un peu folle, genre? Ouais. Ça, ça justifie. Voilà. Plus de likes. Moi, je pense stratégie. Ah, mais toi, tu fais des trucs comme ça, t'allais me dire. C'est un pyjama. Non, c'est dans la mode. Dans la mode, y'a pas de pyjama. Ok. On est au studio pour faire des photos. Est-ce que t'es prête? Bah, est-ce que toi t'es prête? Moi je suis prête. Mais j'ai vu sur ton CV que t'étais make-up artiste avant. Ouais. Donc tu vas me faire une petite retouche, non? Ouais, je suis d'accord. Ça y est là, non? Ah ouais? C'est moi qui décide. Est-ce que tu fais de l'herpès sur les lèvres? Je crois pas. Pourquoi? Jamais de la vie, t'en as eu? Bah, fais voir une photo. Bah non, je sais pas, j'en ai jamais eu. Pourquoi? Bah parce que si je te regarde dans le vlog, j'ai envie d'avoir de l'herpès. Tu mets ça ou pas? Ouais, vas-y. Ça va être beau ça, une petite photo à l'argentique comme ça. Dans la tente. Va dans la tente. Avant.
Après. T'as pris là? Non. Faut que tu restes appuyé, faut que t'appuies peut-être sur le bord, sur un des extrémités. Mais ça fait, ça bibi. Ouais, mais ça prend pas. Ça va pas. Si ça marche pour moi, t'es morte. C'est une blague? Au secours. Eh ben si je peux plus. Peut-être sur s'asseoir. Ça saoule. La dé, elle est pas c'est bonne. C'est dégueulasse. Hein. T'es vraiment genre au fond de ton canapé. Bon bah trop bien ce petit shooting. Bon bah on a une photo, donc on croise les doigts. J'ai hâte de la voir sur ton compte. Est-ce que t'es contente ou pas de ta journée? Franchement je suis très contente. C'est vrai? T'es je bien. Suis bien sortie. Ouais, t'es okay. Bien. T'as kiffé? Ouais, moi j'ai bien aimé. T'en avais marre d'avoir envie de me taper? Non, en vrai t'as été gentille. Genre t'as un peu touché à tout, ouais. T'as compris. En vrai, enfin, ça, bravo. Enfin c'est pas facile, mais genre ce que tu devais gérer, je dois le gérer pour moi, donc je sais comment ça marche. Ouais. Donc en vrai c'est plus j'pense simple. Je pense que quand on sera vieille, on pourra ouvrir des agences genre de management d'influence, de trucs. Mais non, mais ça c'est mon talent, tu peux pas le booker sans moi. Quelles sont mes qualités et mes défauts? Je pense que tu parles bien. Genre c'est pas la honte de t'emmener dans des trucs. Genre je dis pas elle va me qu'est-ce qu'elle va dire? Genre, qu'est-ce qu'elle va dire? Comme dinguerie. Et défaut, je pense que tu te laisses trop vite genre tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te laisses trop vite un peu découragé. Genre dès qu'il y a un truc qui t'a saoulé, genre ça t'a saoulé. Ouais. Mais franchement bravo. Donc merci. T'es embauchée. Ça me fait plaisir. Même merci. Si je pense que tu vas refuser le poste. Ouais, malheureusement je pense que je t'es vais embauchée. Pas voir. Mais très sympa, j'ai hâte de voir qui tu vas faire en prochain si tu vas faire des je sais pas. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce qu'on va voir? Bah merci tout le monde, je cherche une assistante du coup, donc si vous voulez postuler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On a fait une vidéo sur la chaîne de Maya, rien à voir. Est-ce que je vous donne un indice de la vidéo? Bouge pas. Ça mal. C'est un trop bon indice. C'est un bon indice. Rien à voir avec ce qu'on vient de faire, mais très très drôle, très minable. Je pense que je me suis jamais autant affichée sur YouTube. Donc allez voir ça en barre d'infos et nous on fait plein de bisous et on se retrouve bisous. Mercredi, lundi et mardi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Mercredi prochain. Bisous.